Bonjour YouTube, je vous observe. Waouh, je l'avais pas encore faite celle-là. Donc on est au même endroit devant cette gentille dame en slip. Dont... Ah d'accord, ça n'a pas sauvegardé au moment où j'avais examiné ça. Hein. À connecter. Ah mais il y avait un bouton pour connecter. Oh merde. J'avais pas vu ça la première fois. Et le pire c'est... Ah oui c'est vrai qu'on a oublié. Il faut se mettre la manette dans le... Dans le cul. J'ai pas lancé l'appli pour faire des bruits. Il faut. Attendez. Petit alt-tab. Petit alt-tab. Pour lancer la petite soundbox. Voilà. Avec les 2-3 sons que j'ai fait. Il faut que j'en fasse d'autres. Il faut que je les rebaille. Toujours, hein, toujours. Et les vacances qui se terminent. On est quoi? Oui, demain on est vendredi. Et j'ai rien fait de mes vacances. Et en même temps, j'ai fait tellement de choses pendant mes vacances. Voilà. Incroyable. Bon, tout le monde s'en branle. Ah oui, c'est vrai, comme on est dans un rêve, je n'ai pas les visions alternatives. C'est reparti. Donc je disais, je vérifie, il faut se mettre la manette dans le... Bien sûr. Chouette! Encore un baila et la discothéca. Nice. Ah, la porte se tire. Ils ont tous une étrange relation avec cette musique. Ils ont tous vraiment une étrange relation avec cette... Ah bah j'espère que vous aimez, hein. Ça je m'en doutais que cette porte-là était fermée. Parce que va falloir tirer le rideau numéro 1. Si señor, elle est spéciale. Yeah, 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 tout yo à la fiesta. Si vous ne savez pas de quoi je parle, voyez la précédente vidéo. Le titre de la précédente est une chanson de Paradisio, Baila à la discothèque. D'accord, alors j'augmente un tout petit peu le son du jeu, donc re-altab. C'est important pour aller à la discothèque. Ah ok, c'est le même dialogue, merci. L'augmentation n'est pas une option. Est-ce qu'une augmentation est une option? Alors pas... l'augmentation de salaire. Inopérable. Oh, c'est une personne qui est inopérable aux opérations. Mais comment on a pu se connecter à son cerveau quand même? Je vérifie le numéro des chambres quand même si... It's best to accept it. Philosipina. Comprimé, je ne sais pas à quoi ça sert. Est-ce un vrai médicament? Coco. Ah, les petites filles dans les jeux d'horreur, hein. C'est toujours intéressant. Toujours. Wow! Ne va pas vers la lumière, Jackie! Jacqueline d'ailleurs. Notre Seigneur Jésus-Christ! Non, c'est pas ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y a du fourche longue. Là, je viens de commander une pizza.
Ouais, bon. Bouge ton cul. Bouge ton bol. Bouge ton bol. C'est des dauphins, des orques, des cachalots. Joli dauphin. Oh! Par contre, je déconne pas, mais le fait d'avoir mis la... Elle est au niveau de mon ventre, hein, le... La manette vibre énormément. Et c'est vraiment une grosse... En fait, j'ai les vibrations dans le bide. Et ça donne vraiment quelque chose de sympa. Ah, vivement la VR, hein. La VR quand on aura tout qui vibre. Ou pour jouer, il faudra 5 minutes pour se fringuer. Tel Ready Player One. Oui, d'ailleurs, critique hein, de Ready Player One. Quelqu'un qui a dit... c'est vrai que c'est un peu con de foutre une armure qui va t'handicaper. Hein, parce que dans le monde... dans le monde réel, il avait au début que des gants et un casque, donc dès qu'il se prenait un coup, n'importe quoi, bon bah, c'était dans le torse, il s'en foutait. Et après avoir commandé la grosse armure dégueulasse, bon bah, il se prenait une pichenette là, il la sentait, donc c'était un peu se tirer une balle dans le pied, physiquement en fait. Je préfère les dauphins quand même, ou les cachalots. L'enfant dormira bientôt. Dodo, l'enfant d'o. D'autres à pied. Est-ce que on se débranche? Est-ce que j'aurais dû appuyer sur tous les... You sure picked a fine time to grow a conscience. Shut up, Odo. You don't know what it's like. Ok, je me disais, est-ce qu'il y en a sur tous les... Non, d'accord, il y en avait bien que sur les derniers bumpers. Alors du coup, on peut avoir le dialogue ? Shut up, Odo. You don't know what it's like. I can feel what she feels. I think she's getting better. There's no better about it. The girl's a fucking vegetable. Hey, don't even think about backing out of this. We had a deal. Right. Sorry, that reminds me. Paperwork went through. You are now officially a Class B citizen. You fucking serious? Yeah. I managed to pull some strings. Just report to the Assimilation Center and they'll get you squared away. Pieta, you're a fucking lifesaver. Yeah, that's me. Alors Pietra, c'est, on est d'accord, c'est la grand-mère hein, qui est dans le... L'enfant. Ah non!
J'ai lâché. Et à partir de quel moment le... Ok, j'en sais rien. Shouldn't be able to do this. How did you know I was in here? I learned from her. Paulina. I won't hurt you. I'll get you out. I don't know if I want you to. Why is that now? This dream is a temple where we are as one. If the dream dies, the little angel flies. Let me stay with her. Je devais pas me décaler un peu sur les dialogues. Bon, tant pis. On a commencé comme ça, on finit comme ça. All right. Let's end this. Let's reboot the machine. No! That would initiate a memory wipe. I know. I fear it would kill me. What about Paulina? She will be alone. All alone. Please. Couldn't you restore the connection? Let me take care of her. Aren't you the altruist? So, I let you stay. What happens to the girl? You're gonna let her stay or kick her out? No, I would never do that. I'd rather die. Please, you have to. Pieta. Pieta. Ça se voit que je comprends rien. Je suis pas sorti. Si. Je me disais, je suis pas sorti. Alors, la dernière fois, j'avais repéré un. Je crois que. Alors, je sais pas si c'est re-nécessaire de faire ça. Voilà, t'es morte salope, ça on l'avait lu. Oui, et ça on avait suspecté que c'était bien des colombes, même si... Oh non, me dites pas que... Elle défonce ses potes. Intéressant.
Ah oui, je pourrais pas tuer la... ça m'a surpris. Je pourrais pas tuer la dernière. Sauf si je la tire ailleurs. Ah mais je peux pas. Ouais, je peux pas. Ah, j'avais tout bien fait. Pourquoi? Oh, faut refaire ces jeux nuls. Oh, ça se déplace vite. Ok, elle, si elle est en visuel, elle me défonce. Ok, là c'est bon, on est d'accord. Nice. Ouh ! Merci. Merci, GG à moi, merci. Comment sauvegarde ce score maintenant ? Oui, ça c'est. J'avais pas. Le lockdown probablement n'a pas fait aucun favor. Taille. Et ça, je l'ai déjà analysé. Oui, donc je peux plus faire grand chose de plus là. Rétablir la connexion du redémarrage de système. Mémoire cache supprimée, c'est-à-dire que j'ai tué quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? J'ai fait quelque... Je sais pas pourquoi, je crois que j'ai fait quelque chose de mal, mais je sais pas pourquoi. Ou de pas forcément bien. Et qu'est-ce qui se passe si on a plus de seringue? Je vous rappelle qu'au bout d'un moment, on se shoot là pour éviter les pixels. Ça me fait une semaine hein, que j'ai joué, donc je ne sais pas si je me souviens encore. Putain, par contre, votre vision là, faut vraiment être proche hein, pour voir des trucs. Ah, ouvre. Ouais, j'avais pris tout ça. Pourquoi tout a été refermé en fait? C'est ça qui me...
C'était quoi mes objectifs? Options, interagir, voilà. Ok, fouiller l'appartement 209. Et là, moi, je suis où? Ah, fallait que je monte d'un étage. Ok, ici tout le monde s'en fout. Je suis là. Ok. Mince, pardon. Ce que je cherche à comprendre, c'est... Ok, ça c'est l'affaire. Et ça c'est l'affaire 405. Donc ça c'est l'histoire principale. Donc quoi qu'il arrive... La cour de l'immeuble. Ok. Donc j'ai l'appartement 209 et la cour de l'immeuble à faire. Bon bah l'appartement 209, hein. Deuxième étage. Ça, c'est-à-dire qu'il y a les couloirs, il y a la 210 et la cuisine. Bon, il faut que j'aille à la 209. Ici, il y a que deux... Vous voyez, il y a que trois appartements en plus qui n'ont rien à faire logiquement avec moi. Donc pourquoi ? Je vais pas aller voir si j'y suis. Passer par l'extérieur. Hein. Qui referme les portes derrière moi? Pas gentil ça. Oh vite, vite, où sont les cartes Panini Pokémon développeurs? Attendez, déjà on va aller voir au troisième étage. Logiquement, il devrait y avoir un truc qui me dit tu peux rien faire au troisième étage. Voilà. J'en doutais un peu. Mais autant aller vérifier. Ça te coûte pas plus cher de bien manger. J'aurais eu des regrets. Et c'est important. De vivre sa vie comme on l'entend et sans regret. J'arrête d'alterner sur ces vues. Oui. Non. Vu l'angle, ça se voyait que personne allait accepter que je l'interroge. Encore ? Oh oui, une carte de développeur, génial. Ça m'avait vraiment manqué. Non mais après c'est marrant, on va dire qu'ils aient foutu leur propre... Mais bon, les collectibles, hein. Cuisine générale, donc. Recognize me?
me reconnaît. Attendez, est-ce que ça change quelque chose si je fais ça? Genre deuxième case, machin. Quoi? Wouhou! J'ai eu des petits frissons, j'ai eu des petits guilis. C'est sombre? Oui, chez moi aussi. Tout de suite chez vous, plus de visibilité. Bonjour, pourrais-je avoir des seringues? Non, c'est pas pour me droguer, je suis observeur. Okay, finissons la cuisine. Dégueulasse, hein, d'ailleurs, soit dit en passant, votre cuisine. Hein. On n'en parle pas assez. Mais dégueulasse. Ah, la propreté, hein, c'est important. Bah, en plus, vous avez des produits d'entretien. Ah, je peux me faire des pâtes. On fouille tout. C'est vraiment comme l'IA en fait. On fouille tout. Je peux décaler des trucs? Pas du tout. C'est dégueulasse. Ça a l'air dégueulasse. Oh, une petite soupe, remarquez. Ça, ça a l'air bon. Cool. Et bon appétit à tous. Chiron is problem, not solution. Ok. Donc, bien sûr, je vais vous traduire ça parce que je sais que vous êtes absolument nul en anglais. Donc, Chiron est la solution, pas un problème. Message évident de propagande pro-Chiron. Forcément un indice quelque part là-dedans. Ce monde est sérieux, c'est-à-dire que je vais ici et tout le monde s'en fout. Attendez, ces câbles rouges, y a pas moyen d'en faire un truc, non? Bon, bah sortons de la cuisine. En même temps, on avait rien à y foutre. Et je sais pas qui m'a poussé et fait peur. You fucking kidding me? Who's doing this? Ah oui, hein, bien sûr, je rappelle. On est dans un monde où finalement une rose comme ça, originelle, est impossible. Tout maintenant est fictif, cloné, ce que vous voulez quoi. Le Blade Runner, hein, Blade Runner of Lyra of Fear. KPD, I need to ask you some questions. Belle moustache. What's your name, boy? I like to know. Oh, c'est la 209. Daniel Lazarski. John Bukowski. Good to meet you, Daniel Lazarski. Same here. Tell me, Daniel. That rumbling I heard,
was that all locked down? Yeah, it was. Ça va la voix? We're trying to rule out the phage. Doesn't seem to bother you. Hey, are we having fun or what? I know you're from somewhere. The name rings a bell. Lots of people used to know me. Back when I was in the ring. Exactement. You're the champ. Bulldozer Bukowski. D'accord. Okay. What's left of him? I used to be able to crush a man's skull with my bare hands. Now I can't even wipe my own ass. What's wrong? What happened to your ass? Qu'est-ce qui arrive à votre cul? The corporation happened. My retirement happened. Je crois que même la voix de Darth Vader est plus agréable. Alors excusez-moi pour toutes les personnes qui connaissent peut-être quelqu'un qui a un cancer de la gorge. Who gives a flying shit about the other tenants, right? Oh, you mean the selfish pricks who are too busy with their worthless lives to help out an old cripple? Oui, mais en même temps, si t'étais à leur place, qu'est-ce que tu aurais fait, hein? The ones who turn up their projectors when they hear a neighbor calling. Arrête les cigarettes, uniquement les cigares et la pipe. Yeah, I guess I don't really care. Oublie. We all get what we deserve. Don't choke on me yet, Temp. Tell me what happened. Oh, now after my contract ended, I had a hot date with the repo man. The repo. They stripped you down? D'ailleurs, je vous conseille, ça fait un moment que je l'ai vu, le film Repo Man, justement. Un peu les. En anglais, les repos, c'est les recouvreurs de fonds. Voilà. J'en ai gardé un bon souvenir, ce film. Repo Man, avec. Je sais plus comment il s'appelle. Bon, bref, Repo Man. Back to bare basics. Anything you need in there, old man? An extra lung, maybe. Ah oui, un poumon de plus, peut-être, oui. I got one of those. All I have left. You used to have all sorts of great shit back in the day. Carbo tie legs, a pneumatic arm, reinforced skin. Hell, I even had some of my internal organs. Ah, voilà, c'est ça. Dans son repository, c'est peut-être ça que j'ai mal compris. Ouais. You're tout à fait. Because of an outbreak? I wish. At least that would have been vaguely poetic. So what crippled you in the end? The fine print. C'est surtout qu'il s'est fait des lignes de tagada, drogué. Yeah, but I can't just okay, give je... up. Il vous manque quand même un gros bout des mots. DNA. Et ça m'emmerde. I suppose the drugs helped you out a little. Hey, I ain't no fucking junkie. I'm not fucking junkie. That. Alors, ce qui m'ennuie aussi, c'est que c'est la scène pour vampire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la dupliquer. Voilà, génial, fantastique. On va aller sur cette scène. Excusez-moi, hein, je fais mon petit boui-boui. J'espère que ça va, hein, la popote, tout ça. Donc là, on est bien sur la scène, on fait ça. On fait ça. On fait ça. Tac, ch'touk, fantastico, fantastique, tac, et vous n'avez rien vu, c'est formidable. You know what I got? You get your painkillers from Amir. Who? Come on, I found a big stash with your name on it. No need to who me. La 209, ça veut dire que la solution est à la ligne 209. Ah non, mais ça c'est les logs, et tu sais, les logs, parfois... They brings me stuff sometimes. Well, that's too bad, because he's dead now. I gotta go. Oh, well,
Hey, j'aime bien. On, ah, c'est dommage parce qu'il est mort. Salut. What quoi? Did you say? I said I gotta go. No. No, before that. You said the kid's dead. Mais c'est mieux. C'est mieux. Damn. There goes my discount. Oh, any idea who dead have been? I was hoping you could tell me. Ain't got a clue. All right, chump. Hang in there. Yeah, fuck you too. Fuck you too. Allez vous faire foutre aussi. Oui, bien sûr. Je... Alors, je gueule oui et non sur les traductions des jeux. Mais c'est vrai que si l'américain parfois est vulgaire, fuck you too, etc. Alors, ils ont dit va te faire. C'est bien traduit, mais... Ah, parfois j'aimerais que ça soit un peu plus punchy ou plus vulgaire en français, mais c'est que mon avis personnel. Bon bref, YouTube, c'est devant cette porte fermée et que de toute façon personne ne nous ouvrira jamais. Console, qu'est-ce que ça est ? Prochaine vidéo. Exactement. Bisous.